Bonjour à tous, c'est Nico. Aujourd'hui, une toute petite vidéo un peu particulière car je vais vous parler des pré-shaves et des aftershaves, enfin de ce que j'utilise moi. C'est pas une grosse quantité, je vais un peu vous montrer ce que j'utilise quoi en gros. Allez, c'est parti. Ok, alors on va commencer tout de suite par les pré-shaves. Alors moi, j'ai trois types de pré-shaves. J'ai des crèmes, les huiles et les gels. Alors, pour les crèmes, j'utilise ProRaso. Ça, c'est ProRaso thé vert et aloe vera. Non, thé vert et avoine, pardon. Ils sont relativement agréables. En général, on l'applique avant la crème sans mouiller le visage. On applique la crème avant. Il y en a qui humidifient un petit peu quand même leur visage avant d'appliquer cette crème. J'ai une deuxième crème, pareil, ProRaso, mais celle-là, c'est à l'eucalyptus et au menthol. Ils sont un peu plus forts. Alors, les deux, comparativement, celle-là, c'est pour les peaux sensibles. C'est anti-irritation. Et ça, c'est pour les peaux normales. Voilà, en gros, c'est ça. Ensuite, moi j'ai un gel, ça c'est de la Marcella, c'est une odeur assez forte, c'est assez bien alcoolisé, voilà, rien à dire, ça on humidifie un peu le visage, on applique le gel, on massant bien pour bien faire pénétrer, ensuite on met la mousse et puis on se rase. Et pour finir, j'utilise moi une huile Floyd menthol, voilà, très bonne huile, franchement il y en a, on peut même se raser directement avec l'huile sans mettre de savon avant, on met l'huile et puis on se rase direct avec. Moi je l'utilise surtout comme pré-rasage, je le mets avant et en plus après je rajoute le savon. Voilà, ça c'est mes 4 produits pré-rasage. Je pense sûrement choper d'autres dans un avenir assez proche. Mais pour le moment, j'ai que ça. Alors voilà, je vous ai parlé des pré-shaves. Maintenant, on va passer à l'après-rasage. Moi, j'ai deux types d'après-rasage. Les baumes ou les crèmes et les lotions. Ok, on va commencer par les lotions. Première lotion, on va rester dans la gamme, une de mes gammes préférées, ProRaso. ProRaso bleu à l'aloe vera et à la vitamine E. Super senteur, moi j'aime bien. Pour des baumes, l'odeur des baumes, j'aime pas beaucoup, mais celui-là, je trouve ça assez chouette. Très agréable et protège assez bien la peau après le rasage. Deuxième baume, ça c'est un baume qu'on m'a offert, version black. Il est un peu alcoolisé aussi, légèrement. Je ne sais pas pourquoi ils ont foutu de l'alcool dedans. Mais très agréable. Il protège aussi très très bien la peau. Et le troisième, pour finir, c'est pas vraiment un baume, c'est plus une crème de soin en fait. Tout le monde connaît cette marque. Hein. C'est une crème soin hydratant. Et puis ça protège la peau. Quoi. Des fois, surtout quand j'utilise le coupe-chou, moi qui ne suis pas encore un gros habitué, je m'irrite pas mal la peau. Ça m'aide beaucoup. Ça soulage beaucoup l'épiderme. Voilà. Et la dernière, c'est les lotions. Les lotions, alors je vais commencer par la même marque d'Nivea. Ça m'a été aussi offert. Voilà. C'est Nivea For Men Sport. Alors, j'ai pas le physique d'un sportif, hein, évidemment. Mais c'est super rafraîchissant sur le visage. Et ça revitalise un peu la peau. Ça redonne de l'énergie un peu au visage. Franchement,
C'est une super odeur très rafraîchissante. Ah ouais, j'aime bien cette odeur-là. Même si c'est pas ma préférée, mais de temps en temps je la mets, ça fait du bien. Ensuite, un petit aftershave en lotion pour les petites bourses, pour les petits budgets. J'ai acheté ça dans le supermarché du coin, Ménène, moins de 5 euros la fiole. C'est très citronné et très mentholé. Et c'est super rafraîchissant aussi, très très bien. Pour 5 euros même pas, ça vaut le coup. Ensuite, je vais vous présenter un que j'ai commandé. Sais pas si vous connaissez, Pinot Clubman. Super, super parfum, très très citronné, hein. Ah, on dirait qu'on presse du jus de citron là, directement. Mais ça tonifie bien la peau. Et enfin, pour terminer, mon préféré, Floyd Menthol Suave. Alors, Suave, oui, c'est une odeur exceptionnelle. Des fois, je viens dans ma salle de bain juste pour le sentir. Tellement il sent. Super bon cet aftershave, c'est celui que je mets le plus souvent. Voilà, alors t'as vu un peu tout ce que j'utilisais avant et après le rasage. Je compte sûrement en avoir d'autres dans l'avenir. Je compte faire une vidéo comme ça de présentation un peu de produits de pré et d'aftershave. En général, quand j'ai 3-4 nouveaux produits, pardon, je les mets de côté. Et après, je fais une vidéo d'ensemble comme là, je viens de faire avec mes quelques produits. Et je présente ça à chaque fois. Je pense à être de temps en temps des petites vidéos comme ça. Ok, en tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, pardon. Tapote un petit message si ça te fait plaisir ou si tu veux mettre un commentaire, si tu as quelque chose à rajouter par rapport à ce que je raconte sur mes vidéos. Sinon, partage ma vidéo. Allez, salut!